Bonjour à tous, bienvenue sur le blog des nouvelles technologies pour cette nouvelle vidéo qui va concerner le test du portal Asus Store. Alors qu'est-ce que le portal Asus Store ? Eh bien c'est tout simplement un nouveau moyen d'utiliser l'affichage local de votre NAS pour pouvoir faire des actions comme si vous aviez une Smart TV. Alors ici vous avez vu, j'ai l'affichage d'accueil en fait de ce portal Asus Store. Alors tout simplement, pour vous décrire un peu les périphériques, vous avez ici donc le fameux NAS Asus Store, donc c'est le fameux AS3102T, donc c'est celui-là que vous avez découvert sur le blog NT. Je vous posterai le lien d'ailleurs du test de ce NAS qui m'a vraiment séduit et qui permet beaucoup de choses. Et donc j'ai relié tout simplement ce NAS en HDMI sur ma TV, je lui ai branché en USB directement une souris et un clavier, comme ça je peux piloter ce NAS à distance comme vous allez le voir. Et puis j'ai installé depuis le manager du NAS, donc depuis l'écran d'accueil de configuration de celui-ci, j'ai installé l'application Portal. Et une fois branché, sur l'HDMI, on se retrouve donc avec cet écran d'accueil automatiquement. Donc la configuration est très simple, vous le verrez, je vous posterai quelques captures parce que ici cette vidéo a pour but de vous présenter un peu ce qu'on va pouvoir faire avec ce portail, Asus Store, en gros portail on va dire en français. J'ai passé l'étape configuration, mais vous verrez, je vous mettrai quelques screens dans l'article rédigé et vous verrez, c'est vraiment très très simple. Donc une fois qu'on a configuré toutes ces... toute cette partie de donc cet applicatif et qu'on a fait les quelques branchements, l'idée c'est de vous montrer que vous pouvez passer en fait d'allumer votre PC pour contrôler votre NAS. Donc contrôler votre NAS, ça va bien plus loin que simplement stocker des photos et des vidéos, puisque comme vous allez le voir, vous allez pouvoir naviguer sur le web, faire de la surveillance vidéo, regarder des vidéos sur YouTube ou encore écouter de la musique, regarder des films, et ce, vous allez voir, en toute simplicité. Donc la première chose à savoir, cette vidéo va se décomposer en différentes parties. Je vais essayer de vous présenter les services que moi-même j'utilise sur ma TV. Donc sachez qu'avec ce NAS de Asus Store, vous allez pouvoir remplacer complètement votre TV et la transformer, si je puis dire, en Smart TV. Donc ça veut dire que vous n'allez pas être obligé d'être acheté une Smart TV pour profiter de tout plein de choses, par exemple naviguer sur le web, regarder des vidéos, etc. Vraiment, avec un NAS, vous allez pouvoir faire ça. Donc ça, c'est vraiment un des points forts que met Asus Store en avant avec son portail. Donc par exemple, vous allez pouvoir connecter donc ce NAS à une TV et puis la transformer vraiment en Smart TV. Par exemple, vous allez pouvoir lancer, on voit ici YouTube, vous allez également pouvoir lancer Chrome, mais également vous allez pouvoir lancer Netflix, mais également d'autres applications. Vous allez également pouvoir utiliser votre NAS comme un centre de vidéo surveillance. Il faut savoir que Asus Store offre 4 licences caméra, donc ça c'est un des seuls constructeurs qui offre cette possibilité-là. Donc ça veut dire que, en gros, vous allez pouvoir configurer toutes vos caméras surveillance IP, donc celles qui sont compatibles évidemment avec le NAS. Donc vous avez une liste de compatibilité sur le site de Asus Store, mais en gros vous allez pouvoir relier toutes vos caméras de surveillance au sein d'une même application et recevoir des alertes, vérifier si celles-ci sont déclenchées, etc. Ensuite, vous allez pouvoir l'utiliser, ce NAS, comme un hub multimédia, donc notamment avec les applications Kodi, Netflix ou Spotify. Et puis, vous allez également pouvoir faire de la virtualisation d'OS via VirtualBox. Donc, vous allez pouvoir installer VirtualBox en fait sur votre NAS et vous allez, comme ceci, pouvoir émuler soit Linux, soit Windows 10, etc. Très simplement. Donc, évidemment, pour émuler ces systèmes, il va falloir soit monter en gamme en termes de NAS, puisque le modèle que j'ai ici fait que 2 Go de RAM, donc on va être limité notamment à des versions Linux ou Windows XP. Mais évidemment, si vous avez un NAS beaucoup plus puissant, vous allez pouvoir virtualiser Windows 10 sans aucun problème. Et enfin, vous allez évidemment pouvoir utiliser ce NAS comme un NAS, heureusement, j'ai envie de dire, comme un smartphone permet de téléphoner. Ici, un NAS permet de notamment stocker toute votre toutes vos données et surtout les écouter, que ce soit de la vidéo mais également
un système de son, puisque Asus Store supporte la fréquence 11 MHz, ARS Player et les DAC USB qui sont vraiment de très bons systèmes pour avoir un système audio haute fidélité. Et puis tout ça, ça va avec une consommation énergétique plus ou moins équivalente à une ampoule. Je vous posterai un petit article qui a été fait par un de mes confrères sur, sur Cachem qui explique un peu combien coûte un NAS. Vous verrez, c'est très très pratique. Donc tout ça, vous aurez ces liens dans l'article et également sous la vidéo, vous trouverez différents liens. Donc le premier scénario que je vais vous présenter, c'est tout simplement un aperçu du portail TV Asus Store. Donc pour ce faire, on se retrouve ici donc sur l'écran d'accueil. On a évidemment ici en haut le logo à droite Asus Store. On a ici l'heure avec le jour. Vous avez la référence du NAS qui est connecté. On a également l'IP de celui-ci, donc qui va s'avérer très pratique pour qu'on puisse le retrouver. Et ensuite, on a différentes bulles ici où on a différentes applications. Donc on a ADM, Chrome, YouTube. Là, on a la surveillance, Chromium. Vous avez également les petites flèches qui vont vous permettre de défiler. Vous allez donc Netflix, Kodi, etc. Donc si par exemple je clique sur une application, vous allez voir automatiquement celle-ci s'ouvre. Donc là j'ai lancé Netflix et automatiquement le navigateur s'ouvre et me permet de lancer Netflix. Donc je vais fermer pour le moment, on va retourner sur le portail, c'était juste pour vous montrer l'interaction. Donc on a également les petites flèches ici. Donc c'est vraiment un menu qui se défile de droite à gauche comme on le voit avec certains launchers Android, mais également comme comme on a l'habitude de retrouver sur beaucoup d'applications, et par exemple Android TV, on a également la même chose. En haut ici, on va pouvoir faire différentes actions, et notamment jouer sur l'utilisation de notre NAS, et on va comme ça pouvoir tout simplement l'arrêter, très simplement. Vous allez pouvoir donc le redémarrer, vous allez voir. Donc on va avoir arrêté, le mettre en veille ou le redémarrer. Donc ça va être des actions qui sont vraiment uniques à ce portail Asus Store. Et c'est des petites fonctionnalités que d'autres constructeurs n'offrent pas. Et enfin on a les paramètres ici qui vont nous permettre de complètement paramétrer l'affichage du portail. Donc je vais essayer de faire un petit zoom dessus. Hop. Comme ceci. Donc voilà, donc on a ici différents onglets. Donc on a le général, la résolution, le surbalayé, les applications par défaut, l'écran de veille et la langue. Donc si on passe à général, on va pouvoir personnaliser l'affichage et surtout on va pouvoir réordonner l'ordre des applications dans lequel elles sont affichées. Et on va surtout pouvoir également les désactiver ou non pour les afficher sur notre sur notre portail. Donc par exemple, si vous voulez enlever l'heure, il suffit de le décocher ici et vous n'aurez plus l'heure qui sera affichée sur votre portail. On va essayer. Donc hop, voilà. Donc j'ai complètement enlevé la bulle d'heure et vous voyez ici, elle s'est complètement effacée. Donc je peux évidemment retourner dessus et la réactiver sans aucun problème. Vous voyez, elle va revenir. Voilà, comme ceci. Donc ensuite, je peux également ajuster la résolution. Donc là, on est sur une résolution auto, mais je peux basculer sur du 1920x1080, du 1280, 1024, etc. Donc vous allez pouvoir basculer sur toutes les résolutions qui sont offertes par votre écran. Le surbalayé, vous pouvez ajuster la valeur du surbalayage pour réduire l'affichage de la sortie du portail Asus Store. Plus le pourcentage est élevé, plus l'écran sera réduit. Donc la plupart des écrans TV sont définis par rapport au rapport d'aspect, etc. Donc là, c'est tout simplement pour agrandir ou non la fenêtre. Moi, je vais le laisser puisque c'était parfaitement réglé. Vous allez également changer les applications par défaut. Donc là, on est sur le Asus Store Portal. Vous allez pouvoir mettre ADM par défaut, Chrome, YouTube, la surveillance, toutes vos applications qui sont installées. Vous allez pouvoir choisir l'ordre par défaut. Vous allez également pouvoir définir votre écran de veille. Vous allez pouvoir donc définir un fond d'écran, soit l'heure du système, soit des photos. Et vous allez également pouvoir définir donc le temps d'attente avant que cet écran de veille se déclenche. Et enfin, vous allez pouvoir choisir la langue. Vous allez pouvoir choisir le français par défaut. Voilà, donc ça c'est vraiment un paramétrage complet de votre NAS. Vous allez comme ça pouvoir choisir tout ce qui s'affiche
et également pouvoir paramétrer vos applications que vous voulez lancer en premier. Donc partons sur l'utilisation en fait de ce portail. Donc la première chose qu'on va pouvoir regarder, c'est tout simplement ADM. Alors, besoin d'aller sur votre PC en fait pour configurer directement votre NAS. Voilà, ici on se retrouve directement sur le manager. Donc là, il vous demande évidemment votre login et votre mot de passe. Donc là, je rentre le login et le mot de passe et vous allez voir en fait, je vais me retrouver tout de suite en fait sur mon manager de mon NAS. Donc ça, c'est ce que je pourrais retrouver sur mon ordinateur directement. Mais voyez ici, vous pouvez directement intégrer et surtout interagir avec votre NAS sans aucun souci. Donc si par exemple vous voulez savoir si des applications sont à mettre à jour, eh bien vous suffit d'aller sur l'App Centrale, vous regardez et ici vous pouvez peut-être retrouver des applications qui sont à mettre à jour. Vous pouvez également installer d'autres applications directement depuis cette interface. Donc moi ici j'utilise une version la version bêta en fait de ADM. Donc je vais évidemment choisir mes applications bêta, mais j'ai également des mises à jour, vous voyez ici FFmpeg qui me dit qu'il est prêt pour la version 2.6 only, donc c'est tout simplement le paquet qui va me permettre de lire mes différents films, etc. Et ici on a évidemment le changelog, voilà, comme vous avez l'habitude de retrouver sur d'autres systèmes. Donc voilà, donc là on a vraiment un contrôle complet en fait sur ADM. Donc vous voyez, ça a ouvert un navigateur, ça a ouvert directement la page web, il a suffi que je m'authentifie et je me retrouve donc avec le paramétrage complet de mon NAS sans pour autant que j'ai besoin d'allumer l'ordinateur.